vous, amis lions. C'est parti pour votre horoscope du mois de novembre 2022. On va aller voir un petit peu les messages pour vous, les messages que l'on peut capter pour vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire si vous en ressentez le besoin. Vous pouvez également y trouver des messages. Allez, c'est parti les lions, on va commencer du coup avec le tarot. On va prendre trois lames du tarot pour voir un petit peu l'ambiance. Allez, pour les lions, novembre 2022, on a l'impératrice. Wow, on a la roue de fortune. Pour l'instant, c'est positif. Waouh! Alors là, les lions, incroyable. Waouh. Là, vous rentrez dans une période de chance, les lions, c'est incroyable. Là, les lions, pour moi, vous avez pris peut-être une nouvelle direction. En tout cas, quelque chose d'extrêmement positif arrive à vous. Quelque chose vraiment qui annonce un accomplissement, un succès très, très net. Vous avez un réel coup de chance ici. Voilà, parce que l'association en plus de ces trois cartes veulent dire exactement la même chose à chaque fois, le coup de chance, la chance. Donc là vraiment on est dans une concrétisation, dans un accomplissement, dans un aboutissement ici avec le monde. Vraiment pour moi vous avez une réelle réussite qui arrive et c'est vraiment un triomphe. Voilà, il y a un épanouissement dans ce que vous faites, dans ce que vous avez entrepris. J'ai l'impression ici que vous allez... je sais pas, avoir un coup de chance, hein, vraiment. En tout cas, c'est comme si quelque chose allait tourner favorablement pour vous, avec vraiment une grosse opportunité ici, les lions, qui va complètement apporter un changement rapide et bénéfique, et vraiment, on nous annonce ici une bonne fortune et succès. Voilà, donc pour moi, vraiment, vous allez accomplir quelque chose. Alors, avec cette impératrice, vous êtes déjà à la base quelqu'un vraiment à l'esprit vif, qui fait preuve d'intelligence. Vous faites les choses avec intelligence ici, les lions, et j'ai l'impression vraiment que vous allez réussir grâce à vos actions, grâce à vos idées, peu m'importe, réussir à obtenir quelque chose vraiment d'extrêmement positif. En tout cas, le mois de novembre, les lions, vous êtes dans une énergie, waouh, une énergie très très positive, très créatrice. Vraiment, c'est le mois pour accomplir, pour lancer les choses, parce que vous êtes vraiment dans une énergie porteuse en fait, hein, tout simplement. Et avec le monde, que dire, avec le monde, vraiment waouh. Du coup, ça m'intrigue, on va aller voir un petit peu plus loin. Allez, pour les lions, novembre 2022, qu'est-ce qu'on nous dit? Je prends Algariel un petit peu pour aller voir le blé et le phare. Ok, d'accord. Donc là, très clairement, avec le blé, on a bien un rappel de l'abondance ici qui arrive dans votre vie. J'ai l'impression pour beaucoup quand même que vous avez eu une foi inébranlable avec l'Église. J'ai l'impression vraiment que vous avez vraiment cru en vous. Vous vous êtes lancé dans quelque chose, ou en tout cas vous avez eu cette bonne idée, ou vous avez entrepris quelque chose qui est très porteur et qui va vraiment porter ses fruits. Pour moi, vraiment, vous récoltez. Il y a eu une idée ici avec l'impératrice et le phare, que vous êtes des personnes qui aidaient énormément les autres, ou en tout cas qui venaient en aide à une cause peut-être, ou à des personnes, ou alors vous avez un métier vraiment tourné vers les autres, où vous guidez les autres, vous les accompagnez. Et là vraiment vous allez quelque part récolter de tous ces efforts que vous avez entrepris, et vous allez aussi récolter du fait d'avoir cru en vous, d'avoir une confiance en vous, en l'univers, en vos capacités. Vraiment, moi je pense que vous êtes battu quelque part pour quelque chose. Là vraiment, paf, la roue tourne, un coup de chance et toutes les choses vont aller très très vite, très favorablement pour vous. Et là, il y a une pluie de cadeaux, de récoltes qui arrive très clairement. En tout cas, vous êtes guidé, vous êtes protégé, ou alors vous êtes ce phare et vous guidez les autres. Pour moi ici, il y a un accomplissement, ici une réalisation, vraiment une victoire qui arrive pour vous. Et moi, je pense qu'il y a une très très belle récompense pour vous les lions.
pour avoir cru en vous, pour avoir vraiment été dans cette optique de réussir, peu m'importe les obstacles. Waouh, bravo en tout cas. Vous avez toujours eu cet optimisme en fait, les lions. Vous avez toujours eu cette ambition de réussir. Et vraiment, bah là, on vous dit que vous allez réussir. Allez, on va voir un petit peu plus avec l'horoscope pour les lions novembre 2022. Qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh, regardez-moi ça. Encore ce coup de chance qui est là, les lions, c'est fou. Waouh, et cette protection. Je pense vraiment que beaucoup, en tout cas, vous êtes réellement un guide ici pour les autres. Vous êtes des personnes bienveillantes, vous êtes des personnes vraiment dans le don. Quelque part, vous vous donnez beaucoup pour les autres, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, et là j'ai l'impression que paf, du coup vous êtes récompensé pour toutes vos bonnes actions, quelque part, les lions. Il y a un peu une idée comme ça, vous êtes récompensé pour vos bonnes actions. Donc prenez ce qui vous parle. En tout cas, il y a une idée de créativité, il y a une idée de quelque chose vraiment de nouveau et de porteur qui arrive, de très très bonnes énergies ici. J'ai l'impression que c'est le calme après la tempête. Vous allez enfin pouvoir un petit peu vous poser, vous ressourcer. Waouh, et on a la célébrité. Là, vraiment, vous êtes reconnu. On a vraiment un accomplissement total de ce que vous avez entrepris. Donc, si vous avez lancé une entreprise, si vous avez lancé une association, si vous avez lancé un nouveau projet, si vous avez lancé, je ne sais pas, peu m'importe ce que vous avez lancé, ici, vous êtes reconnu pour ce que vous faites, pour ce que vous avez fait, vous avez l'abondance, vous avez la protection, la réussite. Et là, tout se met en place dans votre sens, vraiment. Et vous êtes énormément aimé et apprécié ici. Il y a beaucoup de reconnaissance qui vient vers vous. De reconnaissance pour ce que vous avez fait. Ouais, vous avez entrepris beaucoup de choses. Ici, on nous annonce vraiment du mouvement. On nous annonce vraiment qu'il y a eu de l'action. Il y a eu beaucoup d'activités autour de vous. On voit que vous êtes encore en mouvement, hein. Il y a l'enchaîné, alors je pense que vous avez réussi à vous débloquer en fait, à vous débloquer de quelque chose qui vous enlisait, qui vous empêchait d'obtenir ce que vous désiriez. Là vraiment, on vous annonce le succès, la réussite. Donc vous avez peut-être eu des obstacles, des choses comme ça sur votre chemin qui vous empêchaient d'obtenir vraiment ce que vous vouliez. Ouais. Ici, vraiment, on a un accomplissement, une réussite, un renouveau. On a vraiment une naissance ici de quelque chose de très, 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 très positif. Vos actions, en fait, sont vraiment porteuses. Vos actions ont entraîné de très belles choses, un accomplissement de très belles choses. J'ai l'impression aussi que vous avez beaucoup aidé des personnes qui étaient bloquées, enchaînées, qui étaient dans un problème, dans un cercle vicieux peut-être. Vous les avez vraiment aidées et vous allez avoir beaucoup de reconnaissance pour ça. Donc prenez ce qui vous parle. Vous êtes vraiment vu comme quelqu'un de sage, comme quelqu'un qui avait apporté votre savoir, votre sagesse, qui avait guidé l'autre, qui avait aidé l'autre. Et vraiment, pour moi, il y a une réelle reconnaissance qui vous est apportée, un triomphe vraiment, et puis un épanouissement quelque part. Moi, j'ai l'impression que vous allez, en fait, vous vous épanouissez quelque part, les lions, dans l'aide aux autres. Voilà, peut-être que vous êtes dans un travail de service ou en tout cas que vous avez rendu service, je ne sais pas, il y a une idée comme ça. Mais en tout cas, c'est waouh. Ce que vous avez fait, vous pouvez vous féliciter. Il y a vraiment une idée comme ça parce que c'est porteur pour vous, mais c'est aussi porteur pour les autres. Voilà, pour moi, vraiment, ce que vous avez accompli, c'est quelque chose de très, très beau, de très positif et vraiment d'abondant. Ici, ça annonce vraiment waouh, quelque chose d'incroyable. Pour certains, il y a une brillante carrière ici qui est en train de se manifester à vous avec beaucoup, beaucoup de reconnaissance dans ce que vous faites, vraiment dans votre talent. Il y a vraiment des personnes ici très, très talentueuses, hein, les lions. Alors, lion, novembre 2022. Vous êtes un peu comme une maman pour tous avec l'impératrice. Donc pour moi, vous êtes vraiment quelqu'un qui materne les autres et qui est toujours là pour aider les autres. Il y a l'intelligence, hein. Donc vous avez vraiment, effectivement, enfin vous avez fait preuve d'intelligence, vous avez de très bonnes idées, vous avez vraiment permis pour moi, donc soit vous de vous aider et de vous sortir de cette histoire, ou en tout cas d'aider les autres, d'aider quelqu'un, d'aider les autres, d'aider une bonne cause aussi.
Vous avez bien agi en fait. J'ai un peu cette idée-là. Vous avez bien agi. Ouais, pour moi, vous avez pris la bonne direction. Vous avez aidé quelqu'un à prendre la bonne direction. Vous êtes un peu un guide, hein, les lions, hein, j'ai l'impression ici. Hein. Parce qu'en plus, vous êtes des signes avec beaucoup d'ambition, de charisme. Vous passez à l'action, vous faites les choses. Ouais, vous voyez, il y a l'obstacle. Hein. Pour moi, vraiment, vous avez. Donc, soit vous vous êtes libéré de vos chaînes, de tout ce qui vous entravait, vous empêchait d'atteindre. Vous avez vraiment su détourner les obstacles. Vous n'avez pas. Vous n'avez pas. Vous n'avez pas faibli devant les obstacles, mais vraiment vous avez foncé droit devant. Et vous avez pris des décisions ici pour moi, très clairement. Vous avez pris les bonnes décisions. Vous avez fait preuve vraiment d'intelligence. Donc pour vous, ou vraiment vous avez aidé une personne, aidé quelqu'un, quelque chose en tout cas, à ce niveau-là. C'est comme si vous aviez trouvé une solution. Waouh! Et ici, on a bien une naissance, un renouveau. Quelque chose vraiment qui est en train d'éclore, de naître par rapport à toutes vos actions que vous avez entreprises. Waouh! Ça peut concerner de la famille. Hein. Donc, vous avez pu tout à fait aider un membre de votre famille. Ou en tout cas, votre famille s'est retrouvée dans une galère, dans une impasse, dans un gros, gros, gros souci. Et c'est vraiment vous qui avez été vraiment le pilier de la famille. Vous avez vraiment soutenu, maintenu votre famille et que vous avez vraiment aidé votre famille. Pour moi, ici, il y a vraiment une idée aussi de cadeau qui va vous être fait. Peut-être une idée d'héritage ou de somme d'argent qui arrive à vous. On vous transmet quelque chose, ou en tout cas vous transmettez quelque chose. Pour d'autres, il y a une naissance pour novembre qui va être très 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 positive. Peut-être que ça a été une grossesse compliquée et que vous avez réussi vraiment à maintenir cette grossesse jusqu'au bout. Et là, il y a le beau cadeau qui arrive pour ce mois de novembre pour certains lions. Il y a une idée de transmission chez vous. Waouh, on a la fusion. Hein. Donc moi, pour moi, vous avez vraiment aider quelqu'un, ou en tout cas vous avez été il y a l'idée de maman ici, hein, donc pour moi ici il y a beaucoup de mamans qui ont vraiment été là, qui ont épaulé voilà leurs enfants, leurs conjoints, épauler quelqu'un dans la famille ou quelqu'un de proche. Vous avez accompli vraiment de très très belles choses, les lions. Ou en tout cas, vous allez accomplir de très belles choses pour ce mois de novembre. Vous êtes quelqu'un de très fort, de très ambitieux, de très courageux. Donc là, il y a vraiment quelque chose de waouh, d'incroyable pour ce mois de novembre, les lions. Franchement, continuez sur votre lancée parce que là, on a un aboutissement de quelque chose. Très très porteur, et moi je vois une naissance hein, ici quand même très nettement, un mariage possiblement pour certains, une demande en mariage, un mariage après des épreuves hein, vraiment, moi je vois ici une difficulté et vous n'avez pas faibli en fait, hein, vous avez vraiment fait preuve d'intelligence, de ruse, vous avez vu les bonnes choses, vous avez fait les bonnes choses, ouais, moi pour moi ici il y a on transmet quelque chose, on reçoit quelque chose. Pour moi, vous avez su vous éloigner des soucis, des problèmes. Vous êtes en train de vous éloigner, en tout cas, des soucis, des problèmes que vous avez dû traverser. Et là, il y a la bonne fée qui arrive. Donc, vraiment, ici, pour moi, il y a de beaux, beaux cadeaux à la clé pour ce mois de novembre, de belles récompenses liées à tout ce que vous avez entrepris. La roue tourne, les lions. Franchement, bravo, vous pouvez vous féliciter. De beaux cadeaux, de belles récompenses à venir pour vous, les lions. Un accomplissement. Allez, on continue pour les lions. Les lions, novembre 2022. La trêve. Donc là, il y a vraiment une idée, enfin, de pouvoir se reposer, de pouvoir vraiment se poser. Il y a une idée vraiment de combat hein, qui a été mené. En tout cas, voilà, il a fallu faire les choses et ça n'a pas été facile. Hein, ça n'a pas été facile. Et là, vraiment, on voit que vous avez enfin quelque part une idée de repos. Il y a la magie hein, et il y a le remède. Donc là, vraiment, waouh, vous avez accompli quelque chose pour moi d'incroyable, les lions. Vous allez accomplir quelque chose pour ce mois de novembre d'incroyable. Mais vraiment, en tout cas,
Pour moi, ici, il y a une récompense, il y a une idée de récompense, il y a une idée aussi de laisser la magie opérer, parce que je pense que voilà, vous avez fait le plus gros du travail et que maintenant, les choses vont se mettre en place toutes seules et vous allez juste à récolter. Vous avez vraiment juste à récolter et cueillir. C'est un peu une idée que j'ai comme ça, une image où vous allez juste pouvoir cueillir vraiment le fruit de votre travail et vous, vous allez juste pouvoir enfin vous poser tout simplement. Il y a vraiment une guérison ici qui est en train d'opérer, quelque chose de très beau qui arrive à vous, de magique, vraiment qui va vous apporter énormément dans votre vie. Donc peut-être que vous avez eu des petits soucis de santé, voilà, des petits tracas peut-être liés justement à une grossesse ou quelque chose voilà, qui était en préparation, en gestation et que ça a été très difficile de le mener à son terme. Et là vraiment, on vous annonce qu'avec le monde, vous menez à son terme ce projet, cet enfant, cette grossesse, peu m'importe. Mais en tout cas, vraiment, il y a une mise au monde ici. Hein, donc, ça va voir le jour. Voilà. Un peu de répit, j'ai l'impression ici. Ok, on continue avec l'amour pour les lions. Allez, au niveau amour pour les lions, novembre 2022. Quelles sont les énergies autour des lions? Oh, bah écoutez, là, Ok, bon, bah écoutez les lions, là, tout va bien. Hein. En tout cas, on a une idée de paix, d'apaisement. Toujours une idée de récolte ici avec la richesse. Donc, il y a vraiment quelque chose ici qui voit le jour et qui est très, très positif, très abondant, très prospère. En tout cas, vous êtes protégé. Vraiment, vous êtes protégé. Il y a une idée aussi de protection où vous protégez quelque chose que vous aimez. Donc, possiblement un enfant. Donc, un enfant au sens propre ou au sens figuré, mais quelque chose que vous, auquel vous tenez énormément. Il y a eu beaucoup de peur ici, il y a eu beaucoup de craintes, de peur. Je pense que vraiment vous avez dû affronter quelque chose qui était terrible, qui a été dur, une peur vraiment que cette chose arrive, mais non, vous avez réussi à surmonter cette chose-là et vraiment on a la lumière, la paix, la solution, la paix, l'apaisement, l'harmonie ici qui est trouvée pour vous au niveau famille, au niveau sentimental et amour, les lions. Donc voilà, pas d'inquiétude. Hein. Pour les célibataires, pour les personnes qui sont en situation compliquée, pareil, on voit que les choses s'apaisent pour vous. Il y a vraiment beaucoup, pour les célibataires, de nouvelles rencontres assez riches qui vont arriver vers vous. Voilà, ne vous inquiétez pas. Peut-être sortez un petit peu de votre protection, de votre tour de protection. Et puis, ouvrez-vous aux autres, les célibataires, parce qu'il y a de très très beaux cadeaux à la clé, de très belles rencontres à la clé. Pour les personnes qui sont en situation compliquée, eh bien, écoutez... Il y a du positif ici qui arrive pour vous. Il y a de l'apaisement dans les conflits, dans les tensions. Il y a vraiment une illumination. Quelque chose vraiment d'assez beau qui arrive pour vous également. Alors, les lions, novembre 2022. En amour, on a une réconciliation. Donc ici, pour moi, les choses se rétablissent. Les choses se rééquilibrent. On a de nouveau une idée de paix, de calme, d'harmonie ici qui arrive. Donc pour certains, il y a une réconciliation après des tensions, après des conflits, après des passages de turbulence, j'ai envie de dire, de zones de turbulence. Ici, vraiment, on se réconcilie. Tout s'arrange. Voilà, tout s'arrange en fait. C'est un petit peu le mot ici qui me vient. Tout s'arrange. Pour certains, c'est des retours de personnes du passé qu'on retrouve. Très bientôt. Donc là, très clairement, pas d'inquiétude les lions, ça arrive très très bientôt et ça arrive même plus vite que vous ne le pensez. Donc voilà, tout va bien ici, on vous annonce, vous êtes dans de très belles énergies les lions hein, pour ce mois de novembre. Vraiment, tout va rentrer dans l'ordre. Confiance les amis, ça arrive. Il y a cette... mise au monde, cet aboutissement qui arrive pour vous. Ça va être un très beau mois de novembre pour vous les lions. Allez, hop, un petit message des archanges pour les lions, novembre 2022. Quel petit message pour nos amis les lions? Ordre divin.
En ce moment, tout se déroule comme il se doit. Regardez au-delà des illusions et vous distinguerez l'ordre sous-jacent. Donc, il y a vraiment une idée ici, les lions, de lâcher vos peurs, vos craintes, parce que, en fait, maintenant, avec cette roue, tout va s'imbriquer, tout va se mettre en place naturellement. Et vraiment, tout se déroule comme il se doit. Donc, voilà, éloignez-vous des peurs, des illusions, des tracas. Tout se passe bien et la balance va vraiment se rééquilibrer. Excellente idée. Oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Donc, on avait bien cette idée avec l'impératrice, hein, vraiment, que voilà, vous avez de bonnes idées, vous trouvez la solution, vous êtes quelqu'un de porteur, vous êtes quelqu'un qui maternait les autres, de très protecteur, et vraiment, vous êtes une personne qui allait avoir la bonne idée, la bonne solution au bon moment. Donc, faites-vous confiance, hein, tout simplement, vous êtes vraiment guidée, hein, les lions. Compréhension spirituelle. Je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles. Donc, je pense vraiment que vous êtes guidé, que tout ce qui arrive n'arrive pas pour rien. Il y a quelque chose qui se cache derrière et je pense vraiment que vous allez avoir de belles surprises, hein, vraiment. Et puis, vous êtes poussé en fait à accomplir quelque chose. Donc, écoutez-vous les lions pour ce mois de novembre. Alors, Lion, novembre 2022. Waouh, on a de la douceur. Donc, il y a cette idée de trêve, de répit, de repos. Vous allez vraiment pouvoir souffler, prendre soin de vous. Il y a une idée encore, voilà, de materner. Donc, pour certains, je pense vraiment qu'il y a des naissances à venir. Et puis aussi, voilà, prendre soin de sa famille, créer son petit cocon de protection quelque part. Et puis, prendre soin de soi. Il y a eu beaucoup, beaucoup de stress, hein, ici pour les lions, très clairement. Il y a eu beaucoup de choses à gérer. Je pense vraiment que vous avez été cette impératrice. Hein, vous avez pris ce rôle de protecteur, de protectrice. Et puis, voilà. Alors, même si vous êtes un homme, hein, vous avez ce côté maternant, en fait. Hein, où vous maternez l'autre, vous protégez l'autre, en fait, très clairement. Et ça a été très, très dur parce qu'au final, vous avez tout porté sur vos épaules, j'ai l'impression, les lions, ici. Mais rassurez-vous, là, maintenant, les choses vont se faire, vous allez réussir en fait, hein, tout simplement. Voilà, peut-être encore un petit peu de stress. Waouh, bah regardez ça, les lions, ce qu'on a, la récompense. Donc ici, il y a confirmation, hein, vous avez récompense de tout ce que vous avez traversé durant ce mois de novembre, ce mois de n'importe quoi, de toutes les épreuves que vous avez traversées, je pense, possiblement les mois d'avant, les semaines précédentes. Et là, je pense vraiment que novembre, vous avez une récompense. En tout cas, la récompense arrive. Donc, je ne sais pas si vraiment ça sera en novembre, mais ici, on vous indique que ça arrive, que tout ce stress, toute cette pression, toutes ces peurs, eh bien, vous allez, voilà, maintenant récolter, parce que vous n'avez pas faibli une seule seconde. Vous êtes vraiment cette impératrice qui est restée là en soutien, qui est resté là pour maintenir vraiment votre famille, votre entourage, vous. Enfin bref, voilà. Donc là maintenant, les cadeaux vont arriver. On a le relationnel. Donc il y a vraiment une idée ici toujours de relation, de lien aux autres pour vous. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Pour moi, il y a un lien ici, vous êtes très très lié aux autres et c'est comme si vous, si vous faites, si vous prenez les décisions, si vous actez les choses, si vous faites les choses, eh bien ça va en même temps récompenser les autres. Il y a une idée vraiment de lien. C'est vous qui êtes le pilier quelque part, hein. Il y a vraiment cette idée, vous êtes le pilier. Et tout ce que vous avez entrepris, eh bien écoutez, vous allez vers un accomplissement. Waouh, on a le changement les amis. Accepte le changement qui se présente à toi, il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. Donc vous êtes vraiment soutenu, guidé les lions pour ce mois de novembre. Je pense vraiment qu'effectivement ici vous êtes dans un profond changement, la naissance de quelque chose, hein, tout simplement, quelque chose qui va voir le jour. Donc forcément ça provoque des petits changements, des petites craintes, beaucoup de stress, mais gardez confiance parce que vous avez le monde, donc l'aboutissement vraiment de votre projet. Allez, c'est parti.
un petit message un petit peu inspirant pour les lions pour ce mois de novembre 2022, s'il vous plaît. Waouh, regardez-moi cette beauté. Le regard divin, prends ma main, envolons-nous et regardons le monde. Tu vois comme la terre est belle? C'est ta maison, prends-en bien soin. Waouh, c'est incroyable. Donc vous êtes vraiment aidé, protégé, guidé, et vous êtes aussi cette personne qui aidait, guidait les autres. Et je pense que vous êtes d'un gros, gros soutien, même si c'est très lourd à porter au quotidien. Vous êtes quelqu'un qui soutient énormément les autres, vous êtes de réels piliers, les lions. Et vraiment ici, on vous invite à prendre soin de vous, à prendre soin de votre famille, de votre entourage, de tout votre environnement en fait, hein, tout simplement. Et de très très belles choses arrivent, vous avez la récompense, le cadeau, les lions. Donc c'est un très très beau tirage pour ce mois de novembre. J'espère que ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, moi ça me fait extrêmement plaisir. En tout cas, je vous fais des bisous et je vous souhaite plein de belles choses. À bientôt.